Bonsoir à tous, ici Kifrakoukov pour un nouveau replay commenté de World of Warships, avec ce soir le Richelieu, donc cuirassé français, de rang 8, avec un camo tricolore quand même particulièrement dégueulasse, il faut bien le dire. Mon cher Kiefer, à part ça, que vaut le navire? Mais écoute, sur le navire, on peut en dire un paquet de choses. Alors tout d'abord, vous n'avez pas de consommable avion, donc ni d'avion de spotting, ni d'avion de chasseur embarqué. Donc il faudra vraiment faire attention, vous serez un peu limité pour spotter notamment les torpilles ou les destroyers qui essaieraient un peu de venir vous embêter ou pour intercepter les escadrons des porte-avions. C'était quoi ça? Au niveau des... C'était un de ses alliés qui lui a mis une salve, mais je crois qu'ils sont en division, donc c'était à mon avis une plaisanterie de début de game, comme on en croise souvent. D'accord. Alors au niveau des points de vie, c'est celui qui a le moins de points de vie, c'est enfin non, c'est pas celui qui a le moins de points de vie. Il en a une quantité assez faible, 63 700. Les autres en ont généralement entre 3 et 6 000 de plus. Au niveau du blindage, il a une ceinture blindée qui est très sympa, entre 250 et 330 mm. Faire attention par contre, la citadelle dépasse de l'eau et en plus elle est mal protégée de flanc et de haut, donc quand c'est bien de face ou bien de derrière, ça va encore, mais les flancs et par-dessus à longue distance, c'est assez catastrophique. Au niveau des réductions des dégâts des torpilles, 36%, c'est très très bon, c'est une excellente valeur, seule la magie fait mieux avec 44%. La maniabilité qui est l'une des grandes forces du navire puisqu'il peut aller à 32 nœuds, c'est la meilleure maniabilité de tous les cuirassés de tier 8, en tout cas des cuirassés de tier 8 standard, sachant que vous pouvez monter à 34,6 nœuds avec le boost de vitesse, qui est le consommable dont dispose le navire, ou à 36,3 nœuds si jamais vous avez en plus le drapeau qui va bien. L'accélération, c'est la meilleure des cuirassés de tier 8, vous sentez déjà une petite constante qui se dégage. La vitesse de basculement du gouvernail, 12,3 secondes, c'est la deuxième meilleure, seul le monarque fait mieux, donc là encore un navire qui est fait pour bouger. Par contre, le rayon de giration est vraiment mauvais, 850 mètres. Seul le Monarque et le Norfkal font bien bien mieux. À noter que c'est un cercle étendu pour retourner, c'est-à-dire que vous aurez beaucoup de mal à voir des poulaillers ou quand vous réaccélérez, vous montrerez pendant très longtemps votre citadelle. Donc faire vraiment attention quand vous devez manœuvrer sur la gauche ou sur la droite. Ouais, faut bien anticiper. C'est ça. Au niveau de la dissimulation de surface, c'est la deuxième plus mauvaise, juste devant la Magie, 12,54 km. Dissimulation par rapport aux airs, là aussi c'est la deuxième plus mauvaise, juste devant le Bismarck, 10,68 km. Donc vous n'êtes pas discret, je suis pas sûr qu'investir dans un build de discrétion soit vraiment... en tout cas, disons que ça exacerbera pas une force du navire, mais ça pourra peut-être compenser cette faiblesse. C'est vrai qu'il est vachement large quand même. Ah, il est vachement... Ouais, il est très très long aussi. Ouais, on sent que les designers avaient de la place. Au niveau lanti-air, il est assez à la peine à longue portée. Par contre, il est excellent à courte et moyenne portée. Avec les bonnes compétences de commandant, vous pouvez monter jusqu'à une valeur de 270 à 4,2 km grâce à la bonne quantité de Beaufort 40 mm qui sont montés sur le navire. Les secondaires portent loin. Seul le Bismarck fait mieux en portée. Mais je sais pas, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est vraiment utile de se spécialiser en secondaire. Elles sont assez mal situées, elles sont en petit nombre, donc je sais pas trop. Puis elles ont tendance aussi à crever assez facilement, donc avoir à l'usage. J'avoue que pour l'instant c'est pas un build qui me semble tout à fait viable par rapport à, on va dire, un build peut-être plus axé sur la viabilité. Ouais. Au niveau des canons, deux tourelles quadruples de 380 mm avec une très très bonne portée de 25,3 km. Seule North Carolina fait mieux avec son module. Le Sigma est de 1,8, c'est pareil que tous les autres cuirassés de tier 8 sauf le Norfkal qui lui est à 2. Ah bah surtout dispersion... oui, avec les deux tourelles à l'avant, effectivement il a aucun intérêt à se foutre de flanc, là il s'assure qu'il est il est carrément dans son élément de face comme ça, ce qu'il est en train de faire. Tout à fait. Au niveau de la dispersion des bonnes valeurs, notamment les valeurs de dispersion verticale qui sont très très bonnes, un reload toutes les 30 secondes, ce qui est assez standard, étant donné que le Bismarck et le Monarque font un peu mieux. À noter que c'est assez étrange, puisque le Bismarck et le Monarque ont des calibres quasi équivalents, et ils ont des reloads bien plus rapides, donc le français a, on va dire, l'inconvénient d'avoir un calibre pas très fort, mais c'est pas compensé par un reload amélioré, donc je sais pas, à voir. Bah, c'est peut-être la précision, ouais, qui considère, qu'on pense... Bon, la précision est pas non plus exceptionnelle, mais c'est vrai qu'elle fait quand même pas mal le taf. À voir. Écoute, pour l'instant, c'est tout à fait jouable comme ça. La rotation des tourelles pour 180 degrés 36 secondes, c'est excellent. C'est la même que le Bismarck, donc c'est vraiment très très cool. Et enfin, au niveau des munitions, la HE, c'est le deuxième plus petit alpha, avec 5400 points de dégâts seulement, c'est lié au calibre. Vitesse 830 mètres par seconde, donc ce sont des obus très rapides, par contre, bonjour les overpen à la paix. Et pourcentage de chance d'incendie, 36%, donc c'est la meilleure valeur, à égalité avec le North Carolina. Pour les AP, c'est là aussi un alpha qui est assez petit, c'est un peu mieux que le Bismarck, mais c'est moins bien que tous les autres. La vitesse est la même aussi, 830 mètres par seconde, donc là aussi pas mal d'overpen. Et par contre, les valeurs de pénétration, elles sont assez bonnes, puisqu'il fait quasiment jeu égal avec la Magie et le Norfkal, qui ont pourtant des calibres bien supérieurs. Donc un navire qui est vraiment à l'aise avec l'AP, qui peut mettre pas mal d'incendie avec la HE, qui est relativement mobile, mais il faut vraiment faire attention à vos flancs. Ouais, je sais pas ce que ça va donner dans la pratique, parce qu'en fait, il est... ça principe
principales forces, ça reste quand même sa maniabilité et mobilité, mais je sais pas si ça suffira à le différencier, on va dire, des autres, ou en tout cas à lui donner la, comment dirais-je, la main par rapport aux autres, je sais pas. Mais c'est Je surtout qu'en suis plus, pas, je suis enfin, pas épaté. vu ses défauts et vu ses qualités, et puis surtout vu ses deux canons à l'avant, c'est bien beau d'être maniable et tout, et d'être rapide, mais dans la mesure où, bah, comme on a vu le joueur le faire, hein, la meilleure solution, ça va être simplement tu te mets de face par rapport à la flotte adverse, et puis t'avoines sans trop t'approcher. Je vois pas trop comment il peut tirer profit de ces avantages-là. Non, clairement. Bon, il a bien fait de s'arrêter parce qu'il y avait les torpilles qui arrivaient sur sa droite. Je pense que c'est plus du hasard que de la préméditation, on va dire. Ouais, mais pour le coup, ça lui a bien servi. Donc, c'est quoi sur sa droite? C'est le destroyer qui s'est infiltré. Le petit Arakazé. Bon, il est en train de tanker. Il faut dire que la totalité de Libye ennemie est partie bien au sud. Donc là, il est vraiment royal niveau anglage. Ouais, il faut Petite que ses marche arrière pour collègues s'éloigner un sur peu. C rejoignent vite, et puis après, ils auront l'avantage d'avoir deux caps à un, donc ils peuvent capitaliser là-dessus. Surtout que les adversaires lui montrent pas mal leur flanc. Oh, le petit Fidji qui est en train de s'arrêter pour mettre sa smoke. Généralement, c'est l'opération du Saint-Esprit quand on arrive à les choper à ce moment-là. Allez. Y a En moyen. espérant qu'il va pas reculer entre temps. Les secondaires qui commencent à avoiner sur la droite. Petite cita sur Jolie petite Fiji. citadelle. C'est un navire, ouais, comme j'ai dit, qui a un antiaire qui est vraiment sympa. Par contre, faire gaffe, s'il est vraiment pas super sur la longue portée, donc vous êtes plus démunis contre les torpilleurs que contre les bombardiers en piqué, parce que les bombardiers en piqué seront de toute façon obligés de venir au-dessus de votre navire pour lâcher, alors que les torpilleurs peuvent lâcher à plus longue distance. Donc faites gaffe, les bombardiers en piqué, vous serez plutôt bien défendus, mais surveillez les torpilleurs du coin de l'œil, ça peut être quelque chose qui vous fait très très mal, notamment si en plus ils sont de tiers supérieurs. Ouais. Ok, bon, mais continue sur sa stratégie de surtout rester de face, ne jamais tourner. Surtout rester de face, en plus marche arrière, avec les secondaires qui ont déjà réussi à mettre un incendie. Puis on a vu, ouais, il était quasiment à 15 nœuds avec le boost de vitesse en marche arrière, donc c'est pas ridicule. La glorieuse réputation des navires français par rapport à la retraite, N'est-ce pas? c'est ça. Alors, Ils retraitent plus vite que certains autres vont en marche avant. Non, j'exagère, il n'y a pas de navires qui vont à 15 nœuds dans le jeu. S'il y avait des sous-marins peut-être, mais... Oh, le Dunkerque qui monte bien le flanc. Ils ont éliminé le Bismarck. Ah, dommage, il est en train de tourner. Faut choisir une cible. Il est bien en plus, comme ils sont tous de flanc et qu'en plus il a une portée Ah, il qui embarre du dépasse choix. largement celle de ses adversaires. Une petite zone d'impunité. Par contre, le Grafué, ouais, voilà, dommage. Est-ce qu'il va réussir à mettre une petite citadelle au Norskal? Non, mais ça Non, fait mais quand même trois 12 000 peines, ça points de passe. dégâts. Oui, ça passe. Ouais, et vraiment faire attention à vos flancs. Vous avez une citadelle qui est plus exposée, je trouve, enfin, que celle du Norfcal. Vous avez une bonne ceinture blindée, mais une fois que les obus ennemis passent la ceinture blindée, c'est C'est le friqué derrière carnage. parce que vous avez pas grand-chose, quoi. La citadelle est vraiment très peu protégée derrière, donc faire vraiment très attention. Ouais. Bon, on voit, il a perdu. Enfin, il a pas perdu grand-chose, et puis il a pas encore eu besoin de claquer de répa. Donc, pas mal Non, il par a de la rapport à chance en ses fait. 127 Il a de la k. chance dans son malheur dans le sens où il y a beaucoup de battleships et les battleships en face lui tirent surtout à la paix. Quand t'es dans une combinaison de parties avec beaucoup de croiseurs, notamment de haut tiers qui te spam à la HE, tu fonds très 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 rapidement. Donc là, il est vraiment dans les circonstances idéales. Il est niveau matchmaking, c'est très bien. Niveau composition des équipes, c'est bien aussi. Donc bah, autant qu'il en profite, mais c'est pas toujours le cas avec le Richelieu. Surtout qu'en plus il y a pas d'avion, donc parce que t'as des secondaires qui crèvent assez facilement aussi. Donc comme tes secondaires servent aussi d'antières, ben au bout Ouais, de deux ou trois bordées et que t'as forcément. plus tes secondaires, ben t'as plus non plus d'antières, et là c'est vrai que les porte-avions en deuxième partie de game peuvent très rapidement venir te chercher et te mettre très très mal. Ouais, et puis comme t'as pas d'avion pour te protéger, forcément, c'est un peu la galère. C'est ça, il est chanceux, il a mis une deuxième incendie, il va pouvoir le sortir assez rapidement, Norcal, voilà, allez, y'a plus qu'à. Ouais, on espère qu'il va sortir avec celle-là, qu'il puisse se concentrer sur les autres. Nickel. Voilà, la petite citadelle qui était peut-être même pas nécessaire. On le sent quand même un peu seul là. Heureusement qu'il y a le reste de l'équipe qui arrive sur le flanc, mais sinon. Ben, l'avantage d'être seul, c'est aussi que ça lui permet de farmer les dégâts gentiment pour l'instant, puisque le reste de sa team a pas vraiment de cible de l'autre côté de la carte. Encore une fois, il a pas mal de chance dans le sens où il avait commencé à reculer alors que les ennemis approchaient, ce qui lui a permis d'esquiver justement les torpilles. Alors, qu'est-ce qu'il va viser, le Mogami ou le Dunkerque? Ben, le Dunkerque de face, il peut lui faire très mal. Le Norfkal, c'est déjà un peu plus difficile. Le Mogami est un peu trop loin et peut-être un petit peu trop mobile. Ah, il a bien pris. Ah ouais, 6 Ah bah peines. il lui a mis 6 pénétrations de face, ouais, le pauvre.
Bon, le Norcal, est-ce qu'il va repasser en marche avant? Ouais, il est en train de repasser en marche avant. C'est vrai que maintenant, vu ce qui reste en face, il peut largement les rusher, défoncer le Norcal de flanc et le Dunkerque sans prendre vraiment trop de dégâts. Faire gaffe notamment au Destroyer, mais le Destroyer, la dernière fois qu'il a été vu, il était en train d'aller sur le cap. Ouais, Donc il a un peu le ça temps de devrait aller. revenir quand même. Voilà, deux Nickel. points de vie. Allez, il Dommage. n'y a plus qu'à aller farmer le Dunkerque gentiment. Ah, par contre, là, il prend des incendies. Ouais. On voit que les points de vie ont vite diminué. Dès lors que les ennemis passent à la hache, t'es beaucoup moins dans une position de facilité. C'est vrai que t'as un bon blindage qui fait bien ricocher les AP, mais les HE sont vraiment ton ennemi héréditaire. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il va tenter de péter l'étoile? Non, j'ai l'impression que le Dunkerque est parti Ah bah il se pour tourne, tourner. oui, oh bah Voilà, il va donc il y a attendre juste à attendre le Dunkerque. pour taper la citadelle. Ouais. Ah, une seule, bon. Le Ouais. navire l'a pas C'est emporté dommage, ça néanmoins. fait le deuxième qui laisse vraiment rien du tout et où il a pas le kill. Ouais. Ok, il a sa petite Allez. répa qui se Il fait. reste le Mogami. Mogami qui est bien de flanc en Et plus. qui est bien full life aussi. Bon le. Bon, après, ça reste du Mogami de flanc, deux citadelles et plus personne, Ouais. donc faut faire gaffe. Allez, Oh là là, en croisez les plus, doigts. Mogami qui est un peu à la ramasse. Ah ouais, tout de suite Bon, hein, ça il la laisse calme. à pas grand-chose. Ah putain, il reprend un incendie. Ouais, de nouveau l'incendie, il faut que. Et en plus, il en a pour 40 secondes. Ah, et l'autre qui a Oh, passé derrière l'île. ça devrait passer de justesse. Ah, idéalement, il faudrait que la partie s'unisse dans les 35 secondes qui viennent, histoire qu'il crame pas complètement. Ouais. Heureusement, il n'a pas repris d'incendie sur la deuxième salve. Par contre, le Mogami n'y a plus d'angle. Par contre, il va peut-être y en avoir un sur le Destro, justement. Ah, les torpes. Oula. Ah, bah, heureusement, il était déjà lancé. La maniabilité a fait le taf. C'est vrai qu'il aurait été à l'arrêt ou en train de reculer. Ça serait pas passé de la même manière. Allez, normalement, le Destroyer devrait se faire repérer. Il y a le Leander qui arrive à porter. Leander devrait peut-être l'hydro soon. Allez. Et ben voilà, nickel. Allez, il n'y a plus qu'à le Ouais, satelliser. il va morfler le pauvre. Ouais, nickel. Voilà, nickel. Ça, c'est aussi un avantage des cuirassés français que j'ai remarqué très souvent. Vous êtes vraiment très très bon à la chasse au Destro. Que ce soit dans les bâtières où vous avez tellement d'obus qu'il y en a fatalement un ou deux qui touchent dans le tas, mais dès que les tirs montent, vous avez une précision qui est sympa et qui permet bien de chasser. À 5, 6, 7 km, c'était pas rare que je mette des bordées à 9, 10, 11, 12, 13, voire même 14K sur des Destro, y compris des tirs supérieurs. Vous êtes très à l'aise dans ce domaine, donc faut vraiment en profiter, hein, y a pas de honte. Et c'est un peu triste pour les destroyers qui avaient peut-être pas besoin de ça encore en plus, qui déjà sont en train de souffrir face aux AP des cuirassés. Mais bon, au moins vous êtes à l'aise aussi dans ce domaine, donc n'hésitez pas à en profiter. Bon, parfait. Et voilà, le petit Mogami éliminé. Ok. Bah, je pense qu'on a vraiment vu la manière, enfin une manière de jouer le navire, full de face. Clairement là, ça a payé, hein. Il a fait Ça a combien de payé, dégâts au après total? c'était. Il fait 242K, je crois, quelque chose comme ça. Après, ça a payé parce que c'était surtout la configuration, il a spawné au bon endroit et en plus l'équipe ennemie a suivi une trajectoire qui allait parfaitement. Après, c'est vrai que tu peux aussi le jouer beaucoup plus mobile en tirant par-dessus ton épaule avec tes canons, notamment en fuyant. Il y a même certaines situations, à mon avis, il vaudra mieux fuir à pleine vitesse en marche avant, quitte à tirer au-dessus de son épaule et à gigoter du boule, plutôt que de se mettre de face parce que c'est vrai que si les ennemis sont un peu intelligents et qu'ils passent tous à la HE, en 2 minutes, t'es brûlé complètement. Donc, faire vraiment attention, je vous dis, la HE, c'est votre ennemi. N'hésitez pas à prendre la compétence qui diminue le nombre de sources potentielles d'incendie sur votre navire à 3 au lieu de 4 et qui réduit de 10% les chances d'incendie, ça peut faire la différence et vous aurez beaucoup beaucoup moins mal. Bon après c'est du théorique puisqu'actuellement les Richelieu est dans le jeu mais que pour certains élus qui ont eu la chance de les choper dans les caisses des missions, mais dès le prochain patch c'est vrai comme tout le monde y aura accès, j'attends de voir un peu ce qu'on va en faire, j'attends de voir aussi de voir comment on va dire la population de base du jeu va savoir appréhender ça, va savoir on va dire les contourner ou en tout cas exploiter leurs faiblesses parce que c'est vrai que pour l'instant ils ont surtout l'avantage de la nouveauté qui fait que les ennemis sont un peu décontenancés, ils savent pas trop comment l'ouvrir quoi. Dès qu'ils auront découvert l'ouvre-boîte, ça devrait mieux se passer. Ouais, effectivement, c'est toujours comme ça, mais avec une nouvelle branche et des navires un petit peu particuliers, il faut un petit temps d'adaptation. En tout cas, merci de nous avoir trouvé cette game, et à bientôt pour de nouveaux replays commentés.